biographique de M. Raphaël Guédimont-Pessé. Ni le temps, ni l'émotion ne nous permettent de décrire la grande biographie de notre illustre disparu qui a été à la fois autorité académique et directeur chef de service. Monsieur Guédimont-Pessé Raphaël, que d'aucuns aimaient appeler affectueusement Yaraf, est né le 28 avril 1964 à Sama. Il est originaire de la province du Congo central, territoire de l'Ouest. Il termine ses études secondaires au Collège Saint-Éloi en 1980 par l'obtention du diplôme d'État. En 1983, il est inscrit en premier grade à l'ISTI, aujourd'hui IFRASIC, sur concours d'entrée pré-sélectif. À l'issue de l'année académique 1987-1988, il obtient le diplôme de licencié en sciences et techniques de l'information, option relations publiques. Il commence sa vie professionnelle dans la presse écrite, plus précisément dans le journal Le Soft. En 1999, il est engagé à l'IFASIC comme chargé des relations publiques dans le cabinet directeur. En 2000, par une décision du comité de gestion, il est nommé assistant chargé de la coopération et fera le cumul de sa nouvelle fonction et celle de chargé des relations publiques. Suite aux mouvements successifs de mise en place, il a dirigé la direction des œuvres estudiantines, la direction du budget contrôle et la direction des finances. En 2006, il est nommé administrateur du budget et il y restera jusqu'en 2009. C'est en 2005 qu'il a été nommé administrateur du budget et il va y rester jusqu'en 2009. En 2018, il est à nouveau nommé administrateur du budget, fonction qu'il exercera jusqu'au jour fatal du jeudi 9 juillet 2021. Que son âme repose en paix et je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers étudiants, et à vos titres respectifs, le décès inopiné de Raphaël constitue pour le comité de gestion de l'IFASIC une perte importante et irréparable. Pour la simple raison qu'il était le stratège financier de notre alma mater, car c'est lui qui savait actionner les comptes pour puiser ce dont nous avions besoin pour réaliser les multiples projets que nous avions. Comme on le dit souvent, nos institutions soient sous le poids des travaux à réaliser, mais n'ont pas toujours les moyens pour réaliser ces travaux-là, les moyens financiers, s'entend. C'est donc un collaborateur compétent et dynamique et dévoué que notre institut perd aujourd'hui. Adieu Raphaël, l'IFASIC ne t'oubliera jamais. Souviens-toi de Jésus.
Je voudrais, à l'intention du public qui est ici, dire deux choses sur Raph, celui qu'on appelait affectueusement Raph, Raphaël Kidingo, PC. Deux choses. La première, c'est que Raph a été un homme, un ami fidèle, fidèle en amitié. Parce que moi, je l'ai connu, on vient de le rappeler, lorsqu'il a commencé ses études ici, à l'ISTI, 1983. Et à cette époque, moi, je venais d'être recruté comme jeune assistant. Mais les autorités m'avaient confié, les maîtres m'avaient confié la charge de certains cours que j'assumais déjà. Et c'est à ce titre que j'ai donné cours en premier graduat. Et c'est à ce moment-là que je l'ai connu, parce que j'ai invité cette promotion, je ne sais pas si un de leurs est parmi nous, chez moi à la maison pour la prière. Et depuis lors, on est resté attaché. Il est resté un ami, fidèle dans toutes les circonstances, bonnes et mauvaises. Jusqu'au moment où, on vient de le rappeler, 2005, nous avons été nommés comme mandataires dans le comité de gestion dirigé par le recteur Ekambo. Je l'ai dit à titre personnel, cet homme m'aimait. Il m'aimait. Il y a une semaine, on était avec lui dans cette salle. Il a commencé à parler, il me regardait. Il disait des choses sur moi. Il me bénissait. Alors à un moment, je lui ai dit d'arrêter parce que ces mots étaient tellement aimables et c'était devant. Et c'est le comptable, il a été mort. Et depuis lors, depuis ce jour-là, on ne s'est plus revu. Quand j'ai appris sa mort, c'était la mort dans l'âme. Et c'était la mort dans l'âme. Parce que j'avais rapporté à mon épouse tout ce qu'il avait dit sur moi. Quand je lui ai dit que je viens d'apprendre que Raph est mort, elle et moi, on s'est regardés et on a pleuré chaudement. Comprenez mon émotion. C'est un grand monsieur. Bon, mais j'ai l'espérance que même si nous le pleurons, il est vivant parce qu'il a appuyé en Jésus-Christ. Je vous ai dit qu'en 1983, chez moi à la maison, on partageait la parole de Dieu avec lui, avec la promotion entière, et je lui avais transmis la parole de vie. C'est que la mort, mais il fait partie de la vie. Parce que pour nous les chrétiens, celui qui est mort, il est endormi. Merci. J'espère que je vais tenir. L'histoire entre moi et Raph, elle est vieille de 38 ans.
je viens de perdre un frère, un allié, un collègue. J'ai commencé les études universitaires avec RAF en 1983. Et nous avons terminé la même année. Et pendant les 5 ans que nous avons passé ensemble ici comme étudiants, nous rentrions tous les jours ensemble parce que moi j'habitais à Bumbu chez mon frère aîné et lui habitait à Ngiringiri chez son oncle, le professeur Nubadika, qui avait d'ailleurs un cours ici à l'époque. Donc chaque jour nous rentrions à pied et nous avions le temps de parler de tout et de rien. Et imaginez pendant tout ce temps-là comment on n'a pas pu devenir des frères. Raph connaissait pratiquement tous les membres de ma famille. Et moi aussi, je peux avoir la prétention de connaître une bonne partie de sa famille. Alors, qu'est-ce que je retiens de Raph? Raph était quelqu'un de foncièrement bon. Même quand vous vous étiez disputé la veille, sachez que c'est lui qui viendrait vers vous le lendemain. C'est quelqu'un qui était très souple. On pouvait échanger parfois durement, mais le lendemain, il venait dire, mon frère, oublions ce qui s'est passé, avançons. Et pendant toutes les étapes de ma vie, Raph a été toujours avec moi. Le dernier acte, quand j'ai été opéré l'année passée, Raph m'a soutenu. J'ai été opéré de l'œil. Il m'a soutenu personnellement, moralement, psychologiquement et matériellement. Je retiens également de Raph un fin négociateur. Non, je lui disais souvent, mon frère, toi tu es passé à côté d'une bonne carrière de diplomate. Raph était un bon négociateur. Sa spécialité, quand nous avions des achats à faire, il savait marchander les prix. Et je lui disais, comment tu fais pour qu'on achète toujours à un bon prix? Non, c'est simple. Quand vous arrivez dans un magasin, si la possibilité de négocier est là, proposer la moitié du prix. Et c'est ce que j'ai appris à faire. Et chaque fois que j'avais un achat à faire, souvent je me faisais accompagner de là, parce que lui, dès qu'il arrivait, il trouvait l'interlocuteur qu'il fallait pour ce genre de questions. Toujours comme négociateur, chaque fois qu'on avait une crise, et ça je me rappelle en 1998, nous sommes, moi et lui, on est au cabinet du recteur, parce que je dois vous dire ce que nous avons, le destin là, a fait que nous soyons venu travailler à l'IFASIC pratiquement la même année. Après nos études, chacun est allé et puis on est revenu pratiquement la même année par le cabinet du recteur à l'époque. En 1998, nous apprenons que les étudiants s'apprêtent à se soulever. C'était un week-end. Là, on vient me dire, mais Léon, il y a un problème ici. Les étudiants préparent une révolte pour lundi. Alors, Raph me dit, on ne panique pas, on ne prévient pas le recteur, on ne prévient aucun membre du comité de gestion, nous gérons ça nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a identifié les meneurs. Donc Raph savait identifier l'interlocuteur qu'il fallait. On les a isolés dans une salle ici, on a parlé avec eux et on a déjoué la manœuvre. Et si vous, vous observez très bien, pendant tout le temps ici avec Raph, c'était ça. Sa stratégie. C'était un très bon stratège. Chaque fois qu'il y avait du bruit à la porte partout, lui, la stratégie, identifier l'interlocuteur, l'isoler, discuter avec lui, échanger avec lui. Et souvent, ça lui allait toujours très bien. Vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir permis de faire ce témoignage.
parce que je ne pensais pas que j'allais pouvoir parler, tellement l'émotion est grande. Je voudrais m'adresser à mamie Irène. Nous considérons nous comme une famille, une vraie famille. Nous ne nous éloignerons jamais, alors à aucun moment, de cette famille que Raph nous a laissée. De son vivant, que n'a-t-il pas fait pour les enfants de nos collègues qui nous ont quittés avant? Il y a quelques mois, il me disait ici qu'il venait de payer les frais scolaires pour les enfants de Mboshim. Que Dieu nous garde. Merci. Mes prédécesseurs, que M. Raph ait été un homme bon. Et moi, j'ajouterais qu'il était un homme extrêmement bon. Et pourquoi j'ai dit qu'il était un homme extrêmement bon? J'ai deux petites anecdotes pour appuyer mes propos. Premièrement, c'est l'une des rares personnes, à chaque fois que je me présentais à l'UFASIC, avant que je quitte l'UFASIC, je devrais absolument me rencontrer avec Raph. On se parlait de tout sauf rien, de l'UFASIC, tout comme des choses concernant portant sur en dehors de l'UFASIC. Et à chaque fois pour moi qui kinait, il me disait, à 4 heures, tu n'es pas au Congo, tu dois être mon Mouba. Regarde comment tu es si fier. Je disais à Raph, non, je ne suis pas fier, c'est comme ça. Un jour, je devrais quitter l'UFASIC vers 13 heures parce que j'avais réussi un appel me disant que ma mère était malade. Puis Raph m'a dit, pourquoi tu quittes à 7 heures? J'ai dit, non, pas frère. Je dois partir parce qu'on m'a appelé que maman est malade. Il me dit, bah, écoute, tiens cet argent et donne ça à ta maman. Il ne faut pas bouffer ça. J'ai dit, donne ça à ta maman. Et imagine que Raph ne connaît pas ma mère. Il n'a jamais vu ma mère. Mais regarde, une fois entendu que ma mère était malade, il a sorti l'argent de sa poche pour me donner. Le 28, j'avais un rendez-vous important ici à l'UFASIC. C'était la soutenance de Mondéa. Le 27, vers 8h du matin, je reçois l'appel de Raphaël Kidou. Il m'appelle, petit frère, qui est où? J'ai dit, je suis à la maison. Tu ne vas pas sortir, non, j'ai dit, je suis à la maison. 45 minutes après, il se présente, il tombe à la porte. Il va trouver sur ma table en train de lire. Il dit, ah, tu es en train de lire, tu lis chaque page. En fait, il faisait allusion au professeur Denis Dorado, qui deux jours avant, il m'avait dit, même si tu connais ton travail, je vais te conseiller de lire page par page. Et puis là, sortant son porte-monnaie, il ouvrant son porte-monnaie, et puis il m'a braqué un billet de 100 dollars, en me disant, tu frère, tu as besoin de notre soutien. Et félicitations, nous devons te soutenir, je te donne ça, ça va te servir, ne serait-ce que pour acheter une bière. Mais regardez cette personne, ok, aujourd'hui, il nous quitte. Et je dirais infiniment merci à Raph pour tout ce qui a été pour moi et pour la communauté. Au nom des amicales, des anciens étudiants de l'ISTI, IFASIC, qui m'a représenté, qui m'a délégué. Monsieur le recteur de l'IFASIC, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités et tout protocole observé, nous prenons la parole au nom de l'amicale des anciens étudiants des l'ISTI IFASIC, AMIS en sigle, pour rendre hommage à l'un de notre qui vient de nous quitter. L'AMIS est très éprouvée par cette disparition de Raphaël Kidimoumpessé, car nous étions encore en deuil quand la mort l'a surpris. En effet, la terre de la nécropole
entre terre et ciel, n'avait pas encore séché sur la tombe de notre Baobab, le fondateur de la Miss, Honoré Moulangou, arraché tôt à notre affection alors que nous avions encore besoin de lui, quand, dans une brutalité inouïe, nous devrions encore apprendre à nous accommoder du décès de Raphaël Kidimbou, un autre membre éminent de notre communauté. Qu'à cela ne tienne, entre religion et philosophie, nous admettons la mort comme faisant partie de la vie, et la vie de la mort. Cependant, si les hommes doivent tous mourir, toutes les morts ne se ressemblent pas, et c'est le cas pour notre frère. Raphaël Kidimbou était un grand homme. Et la mort des grands hommes est un moment de célébration de la vie. Raph a su incarner le dessein de ses grands par le don de sa vie durant tout le temps de son pèlerinage sur la terre. Et pour la communauté istifacisienne, il était, à la suite de tous nos aînés qui nous ont légué le flambeau, le parfait exemple de la fraternité de cette communauté. Un homme affable et convivial, un humain avec un grand H, qui n'a pas regardé aux générations pour faire le bien. Pour sa promotion, la 11e de l'ISTI, les 11A comme on les appelle, Kidimbou Pesseraf était un être facétieux, taquin, moqueur, provocateur avec ses amis. Quand il le pouvait, il ne loupait pas. Comme dans cet article qu'il avait rédigé et qu'évoque un de ses anciens condisciples, qui dit, je le cite, « Repose en paix l'ami, tu t'es préservé à jamais de mes sarcasmes sur les Bakongo et sur ton côté poltron. » Ces écrits sont de Michel Botoamungu Kalome. Pour d'autres membres de cette communauté plus jeunes, Raphaël était Papa Raph ou Yaraf, celui qui n'hésitait pas à mettre la main à la poche pour aider un cadet à faire face à une carence dans l'esprit de la chronique transgénérationnelle de la Miss. Raph était un héros, mais un héros qui ne célébrait pas ses exploits. Il faut croire que c'était ça, ce côté Mukongo, d'un thé de discrétion qu'on a toujours évoqué dans la chronique. Et pour la petite anecdote, le fameux poltron Mukongo, pour faire résonance sa vocale, a quand même réussi à sauver la vie à son ex-patron, alors membre bien identifié du régime finissant du maréchal Mobutu, au moment où les militaires de l'AFTEL avaient déjà investi le quartier de Binza Télécom. C'est grâce à Raphaël que son patron a su quitter sa résidence exfiltrée dans la voiture Mazda 818 de Kidimbou et cachée sur la banquette arrière. Et donc, il n'était pas aussi poltron qu'on a pu l'évoquer dans nos chroniques. C'est dire le sens de notre désarroi en tant que communauté. Aujourd'hui, alors qu'il est venu le moment pour nous de dire au revoir à son corps couché dans cette bière et en train d'évoquer une autre bière que celle que nous partageons sous l'arbre de la sagesse de l'Ifasik ou encore dans l'un de nos endroits de rencontre, nous avons été honorés de l'avoir côtoyé dans les travées de l'ISTI IFASIC et dans les méandres de ce monde de la communication en RDC que modèle notre alma mater. Et avant de terminer, nous voulons renouveler les condoléances de l'amicale à sa famille biologique, à sa veuve et à ses orphelins qui ont perdu un frère, un époux, un père. Mais les condoléances sont également renouvelées à l'IFASIC institutionnel qui a perdu son administrateur des budgets et un membre de son personnel,
ainsi qu'à toute la communauté de la Miss. Va en paix, cher Raph, avec les mots de ton ami vocal, lui eux-mêmes. Nous regrettons que cette fois-ci soit la seule où l'évocation de ton souvenir et de ton nom ne nous fasse pas vraiment rire. Nous avons bon espoir qu'avec le président Moulangou qui vient de nous quitter, avec Charles Kilocho, Brigitte Mopane, Imana Ingoulou de ta promotion, le vieux Bobo et tous nos aînés, ainsi que tous nos cadets qui nous ont précédés dans l'au-delà, la chronique doit être très animée en ce moment. Et à défaut des coups de canon réservés aux héros, Amis demande à cette communauté réunie ici d'observer un moment et d'acclamer comme des coups de canon cet homme qui aura été grand pour sa communauté. Je vous remercie. Tonton Raph, s'il faudrait que nous puissions témoigner, ces quelques minutes ne suffiront pas. Il faudrait écrire tout un livre pour exprimer tout ce que tu as été pour nous. La générosité en personne, c'était ça qui te définissait. Tu te donnais plus pour les autres que pour toi-même. Nous, personnellement, les fils de ta petite sœur, il y a exactement un an, nous avons perdu notre père. Mais pendant ces un an, nous n'avons pas senti ce manque parce que tu as eu à le combler. Et aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer une deuxième figure paternelle, ce père que tu as été pour nous pendant ces un an. Moi, personnellement, l'an passé, j'ai dû arrêter mes études après le décès de papa. Et je me rappelle, quelques mois après, tu m'as fait appel ici à l'IFACI. Tu m'as dit, petite, mais pourquoi tu as arrêté les études? Nous sommes là, nous allons nous battre. Tu es à l'ICC, je connais votre secrétaire général académique. Et nous allons tout faire pour que tu puisses continuer tes études. Il y a exactement 2 jours avant sa mort, il est passé chez nous, à l'IVT. Exactement pour ça, pour nous reconforter, nous avons même parlé des frais académiques restants. Mais ce jour-là, étonnamment, quand il venait, il entrait directement. Mais ce jour-là, il est resté devant le portail. Il a demandé à ce qu'on puisse sortir. Et nous n'avons pas compris pourquoi ce geste. Mais c'était comme s'il était venu nous dire au revoir. C'était la dernière fois qu'on t'ait vu. Je n'ai pas entré, tu es resté dehors. Et tout ce que tu disais, c'était que des mots d'encouragement. C'est comme si tu t'apprêtais à nous laisser. Et aujourd'hui, nous avons le cœur en miettes. Parce que tu rejoins notre père. C'est le deuxième père que nous sommes en train de faire. Et nous ne savons pas comment combler ce vide. Étonnamment, aujourd'hui, tu seras enterré dans le même site que papa, ton père. Aujourd'hui, nous enterrons notre deuxième père et nous n'avons que le Dieu du ciel qui nous reste présentement. Tout le monde a quelque chose à dire. Je pense qu'on pourra passer toute la journée avec ce moment de témoignage. Mais je terminerai ce témoignage en m'adressant au Père avec ce petit refrain, je dis « Gardez son âme dans la paix près de vous, Seigneur. » Merci. Nous passons à la cérémonie des dépôts des chars de fleurs.
fatigue se prépare après la vie. Une délégation des administratifs de Fatigue. À cette heure où la mort risque de nous faire douter de la vie, Seigneur, sois très fort avec nous. Dis-nous tes promesses de salut. Dis-nous ton Fils ressuscité dans cette nuit où il ouvre une brèche de lumière. Tiens-nous debout par la puissance de ton Esprit Saint. Guéris l'infirmité de notre foi. Tiens-nous debout dans l'espérance. Toi, le Dieu des vivants, nous remettons entre tes mains notre Papa, Raphaël qui dit Moubès. Au moment où la mort le retranche du milieu de nous, ouvre-lui toi-même les portes de la vie, toi qui l'aimes plus fort que nous, garde-le dans ton amour, garde-le avec ton Fils Jésus-Christ pour toujours auprès de toi. Amen. Merci de nous asseoir. Nous prions pour nos morts, voilà pourquoi nous organisons des célébrations eucharistiques pour eux. Parce que nous savons que la mort n'est pas la fin, mais c'est le début d'une nouvelle vie en Christ. Nous honorons nos morts
avec deux cérémonies. Vous allez remarquer, on utilise toujours de l'eau et de la sang. De l'eau, c'est pour rappeler les baptêmes qu'il a reçu. Il est entré dans la communauté des enfants de Dieu. Et en recevant ces baptêmes, on l'avait habillé d'un habit blanc pour rappeler que maintenant que tu es fils de Dieu, tu dois briller de mille feux par où tu es. Tu dois être capable de Dieu, capable de faire le bien, parce que tu es le signe de la présence de Dieu dans le monde. Et en aspergeant tout autour du cercueil cette eau-là, c'est pour appeler au Seigneur, ce n'est pas n'importe qui, c'est un de tes fils qui revient vers toi. Il n'est pas mort, mais c'est une nouvelle naissance près de toi, accueille-le. Nous te bénissons à cette heure, en ce jour que tu nous donnes. Nous t'adorons abattu ou résigné, déchiré ou révolté, tiraillé entre la foi et les doutes. Tu es un Dieu vivant. Tu n'as pas refusé d'être notre Dieu, éternel et fidèle, dans les bonheurs et dans les preuves. Sois fidèle à ta promesse et prends pitié de ces morts. Prends pitié de notre papa. Nous te les demandons à cause de Jésus-Christ, notre frère, ton fils bien-aimé, que tu as appelé et envoyé pour nous précéder vers toi. Devenu homme, il a connu la souffrance. Il s'est attaché à toi à travers tout. Il a tout accompli, notre vie, notre mort. Il s'est donné tout entier à notre monde. Il a été crucifié, il a été mis au tombeau. Mais toi, tu l'as relevé de la mort. Il est devenu pour nous un homme au-dessus de tout nom, un homme de paix qui vit près de toi et qui prie pour nous. Il viendra renouveler toutes choses. Ce jour-là, il n'y aura plus de larmes ni de mort. Vivant et mort, il nous appellera tous par notre nom ce jour-là que tu as fixé. Que par Jésus-Christ, avec lui et en lui, nous te trouvions et près de toi tous ceux qui nous ont précédés. Et nous te verrons et te parlerons. Dieu comme un homme parle à un homme. Voilà ce que nous attendons de toi, aujourd'hui à cette heure et jusque dans l'éternité. Prions Dieu, notre Père, avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux. Je vous remercie.
Oh,
No, I didn't.